beaucoup. Je vais vous confier d'abord un petit secret. Écoutez-moi très bien. Je vous dis, quand vous êtes dans le combat pour la justice, pour les valeurs, pour les principes de la rationalité, vous n'avez pas à avoir peur. Si vous êtes dans le vrai, même si cette vérité-là vous conduit à la mort, vous n'avez pas à vous en offusquer. Alors, je vais vous confier quelque chose qui m'est arrivé hier. Non, il y a 2 jours. Je n'en parle pas, je n'ai pas voulu en parler dans les réseaux sociaux, dans mon Facebook, mais là, j'ai pensé vous le confier. Hier, 2 jours, il y a ça, 2 jours, donc j'ai reçu ce message. Écoutez bien le message. Je vous lis ça, le message, et je vais vous dire qui m'a envoyé ce message. Grand frère, moi je suis en prison. Je ne suis pas un indiqué. Un indique, je crois que vous voulez dire un indique. Je ne suis pas un indique. Vous autres, quand on vous cherche dans ce pays, on ne parvient pas à vous mettre la main dessus. Vous savez à quel jeu vous jouez avec le régime satanique et génocidaire. Point, point, point. Je répète. Moi, je suis en prison. Je cite la personne. Moi, je suis en prison. Je ne suis pas un indique. Vous autres, quand on vous cherche dans ce pays, on ne parvient pas à vous mettre la main dessus. Vous savez à quel jeu vous jouez avec le régime satanique et génocidaire. Vous savez qui m'écrit ce texte, arrête, qui me fait parvenir ce message. Je ne vais pas vous dire les conditions dans lesquelles il me fait parvenir ce message pour sa sécurité. C'est Monsieur Sébastien Ebala. Monsieur Sébastien Ebala. Celui qui me dit que vous autres, quand vous cherchez dans ce pays, que je ne suis pas un indique. Vous autres, quand vous cherchez dans ce pays, on ne parvient pas à vous mettre la main dessus. Vous savez à quel jeu vous jouez avec le régime satanique et génocidaire. Je vous dis, partagez ce direct. Partagez, vous allez comprendre comment sont les Camerounais. C'est-à-dire que j'ai mis en danger tout. J'ai décidé que je vais combattre Bankwi. Comme il est comme ça, comme il ose torturer les gens. J'ai pris sur moi de l'affronter. Et je savais ce que je risquais, et je savais ce que je risque, et je sais les plans diaboleux qu'ils font contre moi. Mais quelqu'un qui m'a contacté pour défendre ses droits, pour faire partager à l'opinion nationale et internationale son expérience tragique de ce régime qui est vraiment, qui a le propre d'en sauvager, si je peux le dire, les populations, les citoyens. Mais sous prétexte peut-être qu'il m'a cherché 1 jour, 2 jours, que je n'étais pas présent, je ne vais pas vous donner les détails. Il m'envoie ce message où il me dit que vous autres, quand on vous cherche, vous n'êtes pas, nous autres, moi je ne suis pas, moi je suis en prison. Je ne suis pas un indique. Vous autres, quand on vous cherche dans ce pays, on ne parvient pas à vous mettre la main dessus. Vous savez à quel jeu vous jouez avec le régime satanique et génocidaire. Ça, c'est Monsieur Sébastien Ebala. Tous les problèmes que j'ai depuis les jours, à cause de cette. Mais vous comprenez donc que si vous êtes dans la lutte pour les valeurs, pour les principes, vous n'allez pas vous attarder à ce genre de situation. Vous voyez jusqu'où parfois on doit libérer le peuple contre lui-même. Il ne se pose pas la question, est-ce que véritablement ne peut me mettre la main dessus? Il ne se demande pas si véritablement je peux être en complicité avec le régime. Il conclut que parce qu'on ne m'a pas arrêté. Encore, parce qu'on ne m'a pas encore arrêté. Il faut que je précise. Parce qu'on ne m'a pas encore arrêté, je suis en complicité avec le régime génocidaire. Il a dit quoi? Satanique et génocidaire. Voyez les gens pour qui les gens se battent. Et j'ai réagi spontanément quand il m'avait contacté pour défendre ses valeurs, pour dire comment ses droits ont été bafoués. Je vous confie cela. Je vous confie cela pour que vous compreniez que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas pour des individus. C'est pour nos enfants, pour les enfants qui vont venir. Le sacrifice que vous devez faire, la guerre que nous voulons arrêter au nord et sud-est, ce n'est pas pour nous. C'est pour que l'unité, pour que
nous aussi, on aspire à quelque chose de meilleur. Pour que nos enfants aient un pays où ils ne vont pas être en guerre en permanence tout le temps. C'est pour ça que nous battons. C'est pour ça qu'on prend ces risques. C'est pour ça qu'on défend même ceux qui sont contre nous. Voilà la situation. Donc, je ne vous ai pas dit ça pour vous dire que il faut vous attaquer à M. Sébastien Bala. C'est pour que vous donnez, ça donne une bonne occasion pour montrer comment vous n'avez rien à attendre des Camerounais quand vous êtes dans le combat. Vous n'avez rien à attendre des Africains quand vous êtes dans le combat. Vous devez être dans le combat pour que notre continent, pour que notre pouce ait la valeur sur le marché de la dignité humaine, ait de la valeur sur le marché interculturel. Lorsque les cultures se rencontrent, lorsqu'on vous rencontre dans une rue à Paris, dans une rue à Johannesburg, lorsqu'on vous rencontre quelque part, que le blanc sache qu'il a en face de lui son alter ego. Donc c'est au-delà du combat pour les individus qui ne valent rien. Moi, je ne vaux rien. Mais c'est la parole que je porte, l'inspiration que j'ai de je ne sais pas d'où, le courage que m'ont inculqué mes ancêtres. C'est ça que j'utilise pour faire libérer notre peuple. Donc, j'ai reçu dans mon jeune frère Sébastien Bala que je n'ai pas de complicité avec le régime. Je m'en fous. Je sais qu'ils sont capables de faire ce qu'ils ont à faire. Mais je sais ce qui va arriver. Parce que je suis dans le travail de défrichage des consciences des Camerounais. Pour que, si vraiment on veut vivre dans un pays démocratique, comme avait prétendu à un moment le président de la République, que c'est maintenant qu'on sent donc que ce qui se passe, comme là maintenant, où des gens vont attaquer une église au nord et au sud-est, Cameroun, ils vont attaquer les églises sous le prétexte de faire prévaloir l'ordre. Ce n'est pas un pays, ce n'est pas pour ce pays-là que nous avons élu celui qui est là maintenant. Ce n'est pas pour ce pays-là. Donc, je maintiens donc, M. Sébastien Bala doit être libéré. Il a été torturé. Et tous les gens qui sont en prison, les manches au BBC, qui ne se sont contentés que de bavarder. Ils ont seulement fait leur péché, c'est qu'ils ont bavardé. Donc maintenant, pour bavarder, on doit nous torturer, on doit nous mettre en prison. Non. Il faut qu'on rappelle aux gens que on n'a pas élu ces gens-là. Si vraiment on les a élus, alors ils ne sont pas élus pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc, je lui dis courage, faut que il sache qu'il va, il va être libéré. On doit le libérer, on doit tous combattre, continuer à combattre. Tous les gens qui sont en prison, inutilement, on doit les libérer. Les gens comme le professeur Fogo, ils font quoi en prison? Les gens comme Bibounissa, ils font quoi en prison? Tous les gens qu'on arrête même là sous la cuse, qu'on a arrêté, les civils, qu'on a arrêté sous prétexte d'être des animateurs radio comme Mancho BBC, tous ces gens-là doivent être libérés. Ce n'est pas une faveur qu'on demande, c'est le respect de la loi, de la constitution qui nous donne la garantie de l'expression, de la liberté d'expression. C'est donc on fait prévaloir les droits constitutionnels que sont la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté d'association, etc. Donc nous, notre combat en tant que penseurs, en tant qu'universitaires, c'est de contribuer à leur libération. C'est de contribuer à faire que les injustices, les excès de pouvoir, les abus d'autorité, tout ce que nous voyons là, les gens ils sont spécialistes de traumatiser les Camerounais. Comme ces prétendus colonels qui menacent le monde, qui sont en charge pourtant de la sécurité nationale et qui se permettent de faire des excès comme ce que nous avons été nous-mêmes victimes, par exemple, par les menaces de mort qu'on dise, qu'on se lève d'une seule personne et qu'on combatte cela. Bien évidemment, ils sont nombreux. On a vu des gens comme Valsero. Et là, Valsero, d'ailleurs, je profite, c'est un préalable aussi avant cette soirée, avant d'attaquer les questions de fond. Je voulais inviter tous les Camerounais, tous les Africains, tous les amis que nous avons chez les Blancs, chez les Occidentaux, qui ont à cœur la défense de nos libertés, la défense de nos droits, la préservation de notre dignité simplement, d'aller tous massivement assister au concert de notre grand combattant Valsero, le général Valsero. Alors, il faut y aller le 18 septembre. Je vous dis d'aller tous massivement. Je lance un appel vibrant à tous les Africains qui sont à Paris, qui sont en Allemagne, qui sont à Liège, qui sont à Bruxelles, tous ceux qui sont en Europe, même aux États-Unis, même au Japon. Vous avez votre argent, allez
assister au conseil de Valsero. C'est notre type. Voilà un valeureux soldat qui défend les principes dont je suis le théoricien. Alors, Valsero, mon cher Gaston Abbé, c'est ton vrai nom, je te soutiens. Je suis content que tu puisses être là pour la cause nationale, pour nos enfants, parce que le combat que tu fais, les sacrifices que vous faites, c'est pour l'avenir. Ce n'est pas pour vous-même, vous avez déjà ce que vous avez, vous pouvez vous contenter de ça, mais vous vous sacrifiez pour faire prévaloir la dignité africaine partout où vous êtes. Vous êtes nos ambassadeurs partout où vous êtes. Nous vous encourageons, nous devons être tous avec vous et nous vous soutenons. Donc, tout le monde, au 18 septembre, au grand conseil de Valsero du général, nous serons là de tout cœur avec vous et que la fête soit belle. Alors, attaquons donc les grands sujets de débat de ce soir. Trois sujets. La diaspora, l'organisation de, de notre économie. Premier sujet. Alors, je demande à tous les, à vous tous de la diaspora de bien comprendre. Au cœur des développements, au cœur du développement, du processus de modification des circuits économiques, pour être présent, c'est d'abord une question de disposition mentale. Ce n'est pas la mentalité, c'est-à-dire que c'est structurer son cerveau, sa conscience, à adhérer à quelque chose de neuf. Je suis déçu lorsque je publie le livre, de publier des choses, et j'ai eu conscience de cela lorsque j'ai publié le livre Paul Biya, Chronique de la France, ce livre-ci. Or, beaucoup de frères et de sœurs de la diaspora m'ont appelé et ils m'ont dit ils veulent cet ouvrage-là à Amazon. Alors je me pose la question, Amazon c'est qui? C'est votre grand frère? C'est votre père? C'est votre arrière-grand-père? C'est qui? C'est ça, ça fonctionne quoi? C'est quel est cet individu? Alors, jouant à l'ignorant, on me dit non, tout le monde vend à Amazon. Pourquoi ne pouvons pas créer notre réseau? Il y a... Bon, dommage. Kamel, machin, ça ne marche pas. Maintenant, on est... Je ne sais pas comment on appelle même ça. Mais c'est, tout est mort, le pays est mort. Beaucoup de pays, quand même, se battent. On a le Rwanda, quand même, c'est que, bah, il y a les avions. Le Rwanda qui est sorti, il y a les avions. On ne sait pas comment faire. Parce que, et je vous comprends, on doit créer un circuit où on n'a pas besoin de compter sur Amazon. Pourquoi vous voulez absolument vendre sur Amazon? Moi, j'ai fait une expérience. On a un frère, M. Doula, qui est un peu au Moyen-Orient, qui a créé un site internet. Donc, nous, on ne fait pas confiance aux Africains. Nous-mêmes, on ne se fait pas confiance. Regardez, est-ce que les Chinois feraient ça? Moi, je vous dis, je ne vends pas mes livres sur Amazon. Allez sur www.ndula.com. Il y a mes livres là-bas en ligne. Il faut que j'écrive ça parce que vous ne comprenez pas. Parmi vous, il y a trop de têtus. Attendez, je vais écrire ça. Parce que là, vous commencez vraiment à m'énerver. C'est un. Je vais écrire ça. Ndula.com. Voilà. Je crois que c'est comme ça. Ndula.com. Mes livres sont là-bas. C'est la même chose comme Amazon. Vous ne pouvez pas aller acheter là-bas. Il faut que vous allez acheter sur Amazon. Ça, c'est quelle façon de fonctionner? Quel est ce dispositif mental d'aliénation qui fait que beaucoup de gens vont écrire, vont quand même aller acheter à Ndula? Mais beaucoup, ils disent qu'ils veulent seulement Amazon. C'est comme si les Blancs avaient mangé votre cerveau. Vous savez qui a créé Amazon. Vous ne pouvez pas créer votre Amazon. C'est-à-dire que vous dites que, bon... Mais c'est ça que je ne comprends pas. Les Chinois ont fait comment? C'est peut-être comme ça. Ils commencent à créer une situation. Et même si les gens viennent vous dire qu'on va, on va acheter votre compagnie, vous refusez. Vous créez une situation où... Oubliez. Ça m'énerve. Vous ne savez pas que quand je suis arrivé au Canada, en 2005, quand tu arrives là-bas, c'est comme s'il y avait une magie. Tu ne sais même plus qui est Bamileke, qui est Bassa, qui est magie. C'est-à-dire que les gens, je ne me rendais même pas compte, mais la plupart des gens avec qui j'étais, même en Belgique, même à Liège, même à Bruxelles, allez vous renseigner, on va vous dire là-bas. C'est-à-dire que quand tu prends l'avion, tu arrives là-bas, tu oublies même que tu es bêtis, tu es magie. Donc, ça crée une situation où vous êtes obligés de vous battre ensemble. Donc, battez-vous ensemble pour créer dans tous les circuits
économique, des dispositifs pour vous libérer. La libération commence d'abord par l'économie. Laissez la philosophie, la liberté. La liberté ne peut se concrétiser que lorsque les structures d'abrutissement sont totalement brisées. Lorsqu'on a réussi à se faire confiance, à avoir en soi la confiance que non, notre économie doit fonctionner à partir de nous-mêmes comme acteurs majeurs. Vous ne pouvez pas dire que vous allez compter sur Amazon pour vendre les livres. Vous pouvez organiser vous-même. Désormais, il y a un besoin. Donc, on développe un pays, on développe le business qu'il y a des besoins. Heureusement, il y a quand même des petits circuits qui naissent. Mais il faut en réalité systématiser cela. Ça veut dire quoi? Dans chaque circuit, il faut moderniser le fonctionnement. Ça veut dire que vous devez créer des partenariats entre vous, entre pays. Ça veut dire que les gars, et là j'interpelle tout le monde, Bamileke, Bassa, tout le monde qui est là-bas, mettez-vous ensemble. La politique, que les gens font là à la présidence pour diviser les gens, arrêtez ça. Nous devons conquérir le marché, tous les marchés. Les Chinois n'ont pas fait un miracle. Les Indiens n'ont pas fait un miracle. Nous, notre rôle, c'est vous montrer, vous booster à penser cela, à regarder neuf. Ne me racontez pas que, oh vraiment, il faut Amazon, machin. Moi, je vous ai dit, je mets d'abord mes livres à www.ndoula.com. Ndoula, c'est N-D-O-U-L-A-H.com. C'est un type qui m'avait contacté. C'est un prof. Il a créé une structure qui est très connue avec des partenariats. Des partenariats avec l'Asie. Et créer ces partenariats. Mettons nos choses de telle sorte qu'on puisse avoir le contrôle de ça. Tu vas mettre sur Amazon, ça vous avez tous les livres, tout l'argent. Tu dois payer, tu dois faire ça. C'est les blancs, hein. Tu vas faire créer. Tu vas créer un livre. Tu vas d'abord publier à l'Harmattan. Et c'est comme ça. Oh, moi, je suis directeur à Harmattan. Et tu es content. Et je vois les collègues là. Il est content. Il dit qu'il est directeur à Harmattan. Il ne peut pas comprendre que la production du savoir doit partir de l'Afrique. Désormais, moi, j'ai publié un seul livre à l'Harmattan. Et j'ai vu comment c'est l'esclavage. Tu prépares tout ton livre. Tu vas seulement avec ça chez les blancs là-bas. Ils impriment et ils te conditionnent. Tu n'as même rien. Tu n'as rien. C'est-à-dire que tout l'argent, c'est eux qui bouffent. Ils disent que bon, tu dois même encore acheter ton livre 50 exemplaires. Vous voyez comment on doit manger le cerveau. Et c'est comme ça que tout le monde me dit, oh, tu as publié sur Amazon. Et on fait comment pour arriver. Vraiment, changez ça, les gars. Moi, j'ai dit que mes livres, je les produis ici. Je les publie plus. J'ai même fait l'erreur de publier là-bas mes deux premiers livres. Comment il s'appelle? Lui là. J'ai publié, ils m'ont eu. J'ai publié mon bon livre, Esthétique critique de la réflexivité en Allemagne, aux éditions universitaires européennes. L'autre, le deuxième livre, j'ai Les arbres de la philanthropie, je l'ai publié à l'Harmattan Paris. C'est fini avec eux. C'était une expérience. Je veux que vous compreniez, tous les collègues, il y a les maisons d'édition ici. Mangeons la bonne chose. Et ayons seulement le souci que ce soit de qualité. Donc arrêtez de dire que, oh mon frère, comment on fait pour publier à l'Harmattan? Non, il y a les maisons d'édition ici. Allez, renseignez-vous, rapprochez-vous. Allez vous renseigner quand même. Vous êtes des professeurs d'université. C'est quoi les professeurs d'université qui ne peuvent faire la recherche pour savoir où ils peuvent publier? Ils pensent mal à l'Harmattan. C'est comme si on avait conditionné les gens que pour que tu sois lu. Oui, je comprends votre problème. C'est qu'après, comment on va distribuer? Oui, on va distribuer. Ça va arriver. C'est pourquoi je parle aux gens qui sont dans la diaspora, en Afrique du Sud, au Burkina, au Togo. On va se réunir, on va créer des conditions pour diffuser notre savoir. Le savoir se mange d'abord soi-même. C'est-à-dire qu'on doit produire nous-mêmes notre propre savoir. Et c'est important que vous compreniez que vous devez être maître et possesseur de votre monde, d'abord de votre tête. C'est-à-dire être capable de produire le savoir et de trouver des moyens de le diffuser. Donc, mes frères de la diaspora, là, je vous parle à vous. Oubliez le gouvernement, eux, ils ne comprennent rien. Ils ont dit que les gars, ils sont là pour manger, pour voler, pour s'empiffrer, pour s'embrouiller, pour torturer, pour tuer. Vous n'avez pas fait comme eux. Leur époque va passer. Il n'y a rien à faire. Je n'ai pas besoin d'être ami avec eux. Ça, je fais mon travail. Et je ne veux rien savoir de. Je vous rappelle que je ne veux même pas leur nomination. La seule nomination que je veux, c'est que je remplace le frère Paul Biya au ministère de l'Enseignement supérieur. Si vous entendez comment nommer là-bas, sachez que je vais accepter. Parce que c'est là où on va changer les choses. On ne peut pas changer le pays avec une université comme nous avons là.
Regardez, hier, on a, le président de la République a nommé un type, l'ami de Famille Noma. Il s'appelle Kémounié. Un type, il ne sait rien de l'école. Il vous dit, moi, je ne connais pas. Mais ce type, d'abord, Famille Noma l'a fait passer maître de conférence, le professeur et titulaire des universités. Je le dis, non, il peut me poursuivre, non. C'est un plagiat, il a plagié Mounoundiana de fond en comble. Donc, vous pouvez attendre quoi des gens comme ça? Ils se donnent les. C'est les lobbies. C'est la mafia, quoi. Il n'y a rien à attendre de l'université actuellement, tant que Famille Noma est là. Donc, ça, c'est une autre affaire. Donc, on ne peut pas transformer un pays si on n'a pas transformé les universitaires. C'est pourquoi mon deuxième thème, c'est la question de l'université. Mais je rappelle, je reviens au thème fondamental que nous avons ce soir, la question de la maîtrise des outils économiques. On ne peut pas développer, en fait, se développer, à parvenir à l'émergence si notre diaspora est incapable d'avoir la maîtrise des circuits de production et de diffusion des savoirs, des productions, des marchandises, et si nous sommes toujours. Et ça se conquiert tous les jours. Ne pouvez pas dire, ne pensez pas que non, on ne peut plus rien faire vraiment, les blancs ont déjà dépassé. Non, on y va progressivement. On rate, on recommence. On échoue, on recommence. Même nos enfants vont réussir. Vraiment, les gars, changeons. Changeons. C'est-à-dire que notre tête là, enlevons les affaires que non, non, c'est cassé, un Bamileke, moi, il fait quoi avec les affaires de Bamileke? Non, non, on ne peut pas se développer avec ça. Oui, on va dire que je suis des gens de billard, mais je ne vais pas faire mes choses avec les bêtises là, non. Vraiment, on ne peut pas se développer avec ça, on ne peut pas arriver à avoir le minimum, la richesse que nous, à laquelle nous aspirons. Donc, bien évidemment, il y aura beaucoup de freins. Il y aura beaucoup de freins. Regardez ce qui se passe dans les ambassades. Et je vous dis, révoltez-vous lorsque ça ne donne pas. Je vois des gens dans les ambassades, les gars changer. D'abord, je trouve que c'est une bêtise. Demander à un type qui est né ici à Oubala, qui est né ici à Bafang, qui est né ici à Bagou, et qui a pris la nationalité, on lui dit de payer un visa de 140, 240. Et ils sont là, ils achètent sans même revendiquer, sans rien. Et vous êtes là, vous avez peur de revendiquer. Vous donnez ce mal. Vous savez où se part l'argent là. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Les gens viennent là. Ils vous imposent des visas, des montants. Il y a même qui ne donnent même pas le reçu. Et vous êtes là, vous dites que Paul Biya, qui vous dit que l'argent va dans la poche de Paul Biya? Et vous êtes là, vous dites que Paul Biya. À votre niveau, défendez d'abord vos droits. Parce que tout ça, c'est pour limiter le contact entre nous et vous, là-bas, la diaspora. Parce qu'on ne peut pas se développer avec ces limitations-là. Il est important que vous puissiez prendre conscience de la dangerosité de cette affaire-là. Marcher, c'est bien beau, mais revendiquer. S'il faut. En fait, vous savez ce que vous avez à faire. On m'a dit que faire. Vous n'êtes pas des enfants, quand même. Ne m'énervez pas. Vous n'êtes pas des enfants. On vous parle, vous ne comprenez pas. En fait, je vous ai déjà dit tout hier. Je ne vais pas dire plus parce que. Pas parce que j'ai peur. Mais vous aussi, il faut quand même vous réfléchir. Donc, occupons l'espace politique. Oui, mais occupons l'espace économique. Investir. L'avenir, c'est chez nous ici. L'avenir, c'est chez nous. Quand les gens me demandent souvent pourquoi tu es rentré là-bas, vous faites quoi? Non, mais il y a quel avenir ailleurs? L'avenir, c'est nous. C'est l'Afrique. Même eux-mêmes le disent. Donc, ce n'est pas une faveur que je fais à mon pays de rentrer. Je suis obligé de venir. Donc, aussi, sachez que la stratégie, ces gars, ils disent qu'ils sont, ils sont, ils sont les panafricains, ils sont les nationalistes. Je vois, Onan Guinée qui dit que non, ils sont en train de combattre pour le nationalisme. Non, les blancs sont en train de manipuler au nord, au sud-ouest. Ils ne savent même rien du nationalisme. Quel est ce nationalisme qui n'a pas une perspective panafricaine? Il n'y a pas de nationalisme. Quel est ce nationalisme qui fait alliance avec les forces qui terrorisent les citoyens? Il n'y a pas de nationalisme, ils n'en savent rien. Ils ne peuvent pas prétendre dire qu'ils vont ils défendre la patrie, supposément, et incapables de prendre sur eux, de critiquer un régime qui est en complicité avec les forces négatives qui, bien évidemment, sont en train de tuer nos espoirs même, parce qu'ils ont déjà tué l'économie, ils ont déjà tout tué. Mais ils tuent même notre espoir, nos espérances. Ils ne veulent même pas qu'on espère à demain. Donc, j'arrive donc à la question de la double. Je survole parce qu'on peut, on va revenir dessus. Donc, je vous dis, et la maîtrise du savoir, savoir à tous les niveaux, économique, savoir industriel, on ne peut pas se développer sans industrialisation. Et c'est le rôle des grands leaders. Ce que vous voyez là, ce n'est pas c'est les faux hommes d'affaires là qui énervent les gens tout le temps. Il n'y a pas une impulsion. Regardez ce qu'on appelle ici chez nous les grands dans certains domaines.
Ils ont d'abord, ils sont dans une autre époque. La plupart des grands industriels actuels, il faudrait peut-être que leurs descendants, leurs héritiers, transforment leurs entreprises pour qu'ils soient vraiment une entreprise qui soit vraiment une. Qui prenne le risque d'investir dans l'industrialisation du pays. Toutes ces fortunes que nous avons là, ils n'ont pas encore compris qu'il faut véritablement industrialiser le pays pour pouvoir se libérer. Toutes les grandes fortunes que vous avez, les McDonald's, les machins, qui ont créé tout cela, c'est parce qu'ils ont osé, ils ont pris sur eux d'investir, de prendre le risque. Or, tous nos patriages là, bon, peut-être ils n'ont plus aussi la capacité de prendre sur eux, d'inverser la tendance. On espère que les nouvelles fortunes vont s'illustrer par une agressivité. Et je vois à Finland Fairbank qui, effectivement, va dans ce sens-là où on dit il faut aller conquérir le marché, il faut aller conquérir de nouveaux investissements, il faut initier d'autres choses. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est ça. Le rôle, notre rôle en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire. Mesdames et messieurs, chers collègues universitaires, le grand danger dans ce pays, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est la question de la justice et la question des forces de défense et de sécurité. C'est les endroits où il y a le plus d'abus en termes de violation des droits de l'homme. Et on ne peut pas arriver à transformer cela si nous-mêmes ne sommes pas des exemples. Nous qui formons ces gens-là. Parce qu'un professeur d'université, à l'université, dans les grandes écoles, c'est nous qui formons ces gens-là. Et vous ne pouvez pas former ces gens-là avec une mentalité d'esclave. J'ai eu beaucoup de problèmes avec certaines personnes qui voulaient m'obliger à rentrer dans la franc-maçonnerie. Bon, on va dire que oui, c'est comme dans toutes les sectes. C'est une question de choix et d'adhésion à un credo. Mais la vraie puissance n'est pas dans les sectes. La vraie puissance, c'est celle qu'on cultive en soi, par l'exemplarité, par la puissance de la pensée. Il n'y a pas un franc-maçon, un rosicrucien qui peut me battre sur le terrain de la pensée, quel que soit ce qu'il pourra faire. Non, il ne peut pas. Parce que je me conditionne à m'élever moi-même par la puissance, par l'approfondissement des réalités de notre monde. Il n'y a pas un gourou qui puisse me conditionner. Donc, il est important que vous compreniez que le vrai danger, notre vrai danger en tant que laboureur de la pensée, en tant que aspirant au savoir, le vrai savoir. Le vrai savoir, c'est pas ce qu'on vous raconte là que dans les secteurs machin, machin. Non, ça c'est pas le savoir. C'est l'aliénation, c'est l'abrutissement, c'est la conquête, c'est la maîtrise de votre volonté, de votre mental pour qu'on puisse pas se développer. C'est pourquoi il arrive que des gens supposément grands intellectuels, ils sont sous la botte des petits gens qui sont leurs gourous. Parfois, ils sont arrivés à des situations, on est obligé de les sodomiser parce qu'ils ont cru qu'il y avait la quête du Graal, c'est là-bas. Non. On doit revenir à soi. L'Afrique, l'Africain, c'est la puissance. Il n'y a plus une puissance qui dépasse la puissance de nos ancêtres. Nous avons illuminé le monde pendant des millénaires. Ils sont arrivés hier, là, ils ne peuvent pas dire qu'ils vont nous apprendre la sorcellerie. Nous sommes des grands savants. Et le fait de vous abrutir dans les petites compromissions avec les gens qui sont supposés maîtriser l'au-delà. Qui peut maîtriser l'au-delà? Non, c'est une honte. C'est une honte, c'est pourquoi je vois certains de mes collègues se faire maltraiter par des petits gens qui sont sans épaisseur. Parce qu'ils ont cru, parce qu'on les a fait à croire qu'il y a une autre puissance en dehors de la science. Il n'y a pas une autre puissance, un autre pouvoir en dehors de la science. C'est pourquoi je veux vous dire, ayez confiance en vous. Lorsqu'on, vous voyez, c'est juste ma confiance en moi qui fait que je suis encore libre. Il n'y a rien d'autre. J'ai dit dans mes détracteurs, là, oubliez. C'est parce que j'ai la puissance en moi. La puissance s'impose par la qualité de mes expressions. Lorsque j'écris, je dis, si quelqu'un eh bien, écrit comme moi là, venez, écrivez le français comme moi. D'abord là, je vous mange le cerveau. Il faut manger au cerveau des gens qui veulent vous entraîner dans des petites choses. C'est pourquoi j'ai honte quand certains hauts administrateurs, et je dois le dire ici, lorsque certains grands administrateurs arrivent à aller vendre le secret à des puissances étrangères. Vous savez, beaucoup dans la haute administration là, émergent dans les chancelleries. Hein.
Mais Biya, même, il sait qu'il est très en danger. Parce qu'autour de lui, il y a des gens qui sont complices avec les Français, complices avec les Anglais, complices avec les Allemands. Donc, chacun veut avoir un maître. Pourquoi vous, les Noirs, vous croyez qu'il faut avoir un maître blanc? Pourquoi vous ne pas comprendre que nous sommes forts, que toi-même, tu es fort? Que tu n'as pas besoin qu'on te pénètre pour que tu puisses te projeter? Un homme comme moi là, tu acceptes ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des sacs d'argent. Parce qu'il faut avoir des... Je ne sais pas quoi. Des postes. C'est pourquoi je voyais l'autre là, il s'humilie là. Il court, il danse devant les gens. Il danse, il applaudit. Pour lui, il passe. Pour lui, il ne l'a même pas vu. Il ne peut même pas le voir parce qu'il est dans la foule. Il est en brousse là-bas. Il danse en route. Il danse en route. Il applaudit. Il fait le drapeau comme ça. Il est ridicule. Qu'est-ce qui fait que les gens... Tu arrives, ministre. Tu arrives à ce genre de choses. Tu dis que non, moi je suis la créature. Je suis la créature du président. Je suis la créature. Mais tu es universitaire. Tu fais quoi dans là à l'université? On doit te chasser. Comme un prophète chassait les gens, les pharisiens, tout ce genre, on les chasse du temple. L'université, c'est le temple du savoir. C'est le temple de la dignité. C'est la liberté. La liberté en possession. En procession. Il est important que vous compreniez cela. Il est important que vous changez votre façon de faire, vous les universitaires là. Vous faites honte. Tu vas émerger dans une ambassade, dans une chancellerie. Tu vends ton pays. Tu vends ton pays comme ça. Tu es ministre, tu es DG, tu es haut cadre, tu es sous-préfet, même l'armée, tous ces gens-là. Vous vendez le pays, vous vendez votre pays, votre peuple, pour faire plaisir à vos gourous, pour que vous ayez un minimum. Vous êtes quel genre de... Vous pouvez voir les Chinois faire ça. Après, vous allez vous étonner que même les Chinois viennent maintenant nous coloniser. Je vois un micro-ondes là. C'est seulement le Chinois. Il va même regarder ça. Et on nous impose ça presque. Avec ça, vous allez faire quoi? Avec ça, on va se libérer comment? Si vous, les universitaires, vous êtes on a mangé votre cerveau comme ça. Vous manquez de courage. Vous manquez de tonus. Avec ça, on va arriver où? Ça me fait mal, ça vient me chercher. On te dit, viens ici, on va te sodomiser pour que tu deviennes ministre. Et tu acceptes, tu fais, tu oses, tu vas, on te fait. C'est quel pays ça? C'est quelle université ça? C'est quel intellectuel là? Le nom là même, il faut qu'on rende cela. On a dit intellectuel organique. Il n'y a pas d'intellectuel quand tu fais des trucs comme ça. Tu es juste une brebis. Tu es un rat qu'on a dressé comme ça dans la maison des maîtres. C'est pourquoi je dois dire ici et maintenant que le fait de se revendiquer aussi d'être panafricain, ce n'est pas la solution. Hein. Faut pas croire que quelqu'un vous dit que je suis panafricain, moi je suis contre la France, machin. Mais il faut regarder son passé. Et à cet instant précis, je profite pour vous parler d'un individu qu'on appelle Nyamsi. Il est dit professeur Nyamsi, Franklin Nyamsi ou à Cameroun. Je n'ai jamais parlé de lui. Mais sachez que lorsque la guerre faisait rage en Côte d'Ivoire, lorsque on avait décidé de débarquer Laurent Gbagbo, Franklin Nyamsi était au cœur du dispositif qui alignait les gens au niveau de la Côte d'Ivoire. Je le dis aujourd'hui parce que mes collègues, j'étais à Bruxelles en ce moment-là, à l'université de Bruxelles, parce que les gens ne le savent pas, j'ai fait 2 doctorats. Je n'ai pas terminé celui-là que j'avais parce qu'on m'a recruté à l'université. Donc, j'étais à Bruxelles. C'est des collègues de Burkina Faso avec qui j'étais dans en doctorat en sciences de l'information et de la communication, suivi par Madame Marie Frère. Elle est prof à l'université de Bruxelles. Après que j'ai terminé mon doctorat à l'université de Liège, je suis venu donc à Bruxelles. C'est des collègues de Burkinabé qui viennent me dire qu'il y a un Camerounais qui s'appelle Nyamsi, professeur Nyamsi, qui a pris sur lui de défendre Guillaume Soro, c'est-à-dire de défendre l'indéfendable. Ils sont venus me voir, c'est la première fois que je sors d'une tribune, c'était en 2012. C'est la première tribune que je faisais. Vous allez voir sur Internet Franklin Nyamsi ou les graffitis. Voilà, je crois que j'avais introduit ça, Franklin Nyamsi. Les graffitis d'une plume plongée dans le gombo et dans le sang. C'est ça. Et regardez sur Internet, vous allez voir ça. C'est la première tribune que j'ai publiée. Ce n'est pas, maintenant il va dire, oh, il est panafricain, je suis d'accord.
Peut-être c'est maintenant qu'on va s'entendre. Parce que il a soutenu Guillaume Soro. C'est parce qu'on a fait un faux bond en Côte d'Ivoire qu'il va vraiment dire qu'il est un grand panafricaniste. Il faut que nous soyons, que même si on va être ensemble pour lutter contre le gouvernement qui est vendu, notre gouvernement qui est vendu, mais qu'on sache qu'il y a des opportunistes. Parce que s'il était, s'il avait été présent en, si son complice Guillaume Soro avait été présent en Côte d'Ivoire, il n'allait pas faire les histoires là. Et ce type a combattu aux côtés de Blaise Compaoré. Informez-vous. Il a été au palais présidentiel pendant longtemps chez Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui a tué Sankara. Il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Il faut que, et je voulais lui dire ça clairement ce soir. Il faut qu'il comprenne. On va faire la lutte, certes, je suis d'accord. Je n'ai rien contre lui en tant que personne. Mais qu'il sache qu'on ne va pas faire la lutte quand ça nous convient et traverser le panafricanisme quand ça nous convient. Blaise Compaoré, il a mangé dans sa main, il a dormi chez lui, il a été au petit soin avec lui, alors que le peuple burkinabé voulait se libérer. Il faut que nous soyons clairs. Moi, je veux que les gens soient clairs et sachent, s'engagent en sachant qui est qui. À ce moment-là, on était contre, on était tous pour que le peuple de Burkina Faso se lève d'un seul homme. Et moi, j'avais... Et allez vous renseigner là-bas en Burkina Faso. Je suis très réputé là-bas. On sait que c'est celui intellectuel qui avait combattu Franklin Yamsi. Et on avait gagné. On avait chassé Compaoré. Et je suis fier de ce combat-là. Là, j'ai défait Yamsi. Et il doit le savoir. Il le sait. Honnêtement, il doit le savoir. Et je ne lui ai pas pardonné. Il faut qu'il demande pardon. Parce qu'il a combattu le peuple de Burkina Faso lorsqu'on voulait se débarrasser de Blaise Compaoré. Il a combattu Laurent Gbagbo. Que moi, à Bruxelles, je faisais des marches avec les Ivoiriens. Ils le savent. À Liège, ils le savent. On luttait. On combattait. On combattait pour que Ouattara sache qu'on n'est pas avec lui. Qu'il sache qu'il est le support et le valet des Français. Et on l'a fait. Mais en même temps, Nyamsi, ce que vous appelez le professeur Nyamsi, il était aux côtés de Ouattara, à compléter avec Soro. Ils étaient encore ensemble là. Là, il n'était pas panafricain. Je vais parler même le français, compliqué là. Il n'était pas panafricain. Il faut qu'on lui dise qu'il doit d'abord demander pardon, même si on va faire le combat ensemble. Je tenais à le lui dire ce soir. Parce qu'un universitaire ne change pas. Il ne va pas faire le coup de Wolanguini. On ne va plus accepter le coup de Wolanguini. Que quelqu'un tu marches avec lui, Wolanguini, on l'a même porté dans les voitures ici. Les taximans l'ont porté gratuitement, Njo, pour qu'il contribue à la lutte. Mais après, il a vendu les gens. Ah, il a demandé pardon, mais c'est un qui a demandé pardon, c'est bon. Là, peut-être c'est bon. Mais Chris, c'est bien que l'homme sial qui a demandé pardon, c'est bon. Mais il faut qu'on sache. Il faut qu'il sache que ça nous a fait trop mal. Il a demandé pardon. Oui. Peut-être qu'il faut que je dorme d'abord. Il faut que je sache. Je vérifie s'il a demandé pardon. Avant de. Je ne peux pas dire que je lui pardonne cela. Parce qu'on a combattu. Allez regarder sur Internet. Il y a cette tribune-là. À ce moment-là, on combattait par tribune en 2012-2013. C'est la première fois que j'en parle. Donc j'en parle. Ça vient comme si. Quand je vois comment on avait arrêté Gbagbo. Lorsque je vois ce que Soro a fait. En complicité avec. Yamsi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Et je voulais le lui dire. Parce qu'un universitaire, celui qui est au service de la vérité, ne fait pas comme ça. Il ne t'engueule pas. Personne ne va me prendre à cela. Personne ne me verra un jour aller ma coquiner avec. Je veux le dire aujourd'hui. Personne ne me verra ma coquiner avec un pouvoir dictatorial. Sauf si j'ai la responsabilité et que j'ai l'assurance que les choses ont changé. Il faut que les gens comprennent cela. On ne peut pas dire qu'on va rentrer dans les réseaux de conquête de pouvoir comme ça et après dire qu'on est panafricain. On n'est pas d'accord avec cette façon de faire là. On ne va pas être panafricain le dimanche et pion des blancs le lundi. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que les choses changent. Et s'il a demandé pardon, Yamsi ne change plus. Il reste comme ça jusqu'à la fin. Voilà, ça c'est mon message à lui. Maintenant, la question de la France. Il est déjà presque, il a dit une heure de temps. On a commencé en retard. Mais je vais terminer par cette question-là.
Quel est notre rapport à la France? Justement, parce que ça nous conduit justement à ce rapport de la France. Je voudrais que vous compreniez, vous de la diaspora, vous tous, même ceux qui sont ici, que vous compreniez que ceux qui disent là qu'actuellement, il faut négocier avec la France, on ne peut plus négocier avec la France. On va se libérer de manière violente. Je le dis clairement, on va se libérer de manière violente. À moins qu'ils comprennent. Parce que on ne peut pas se attendre que les Français nous libèrent. Non. Le peuple français ne peut pas nous libérer. Parce que lui-même est esclave de l'oligarchie qui est au pouvoir. Des groupes de pression qui sont au pouvoir. Qui assurent l'élection de tel président ou tel président. On ne peut pas attendre la libération de la France. Nous allons nous libérer. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais nous allons nous libérer. La France est un grand pays. On a connu la révolution. Tous les grands penseurs, les Voltaire, les Montaigne, tous ces gens-là. On va commencer par où, on va terminer par où. C'est les gens qui ont structuré cette modernité. Ils ont contribué positivement à ce que les choses passent dans les normes. Mais les gens sont souvent étonnés que il y a des cas où des intellectuels, des universitaires français ont pris sur eux d'aller combattre aux côtés des colons. Vous avez vu des gens comme Sartre, je pense juste un exemple, Sartre avec ses frères, ses amis. Ils ont décidé d'aller se mettre du côté du FLN. Sartre, il collectait l'argent et les armes. Et ils contribuent à ce que la lutte se poursuive contre sa propre patrie. Les Français comme cela sont rares. C'est comme ici chez nous, les universitaires qui ont de la poigne, qui ont quelque chose en dessous de la ceinture, ils ne sont pas nombreux. C'est-à-dire les gens qui peuvent sentir le poids et résister autant. Ils ne sont pas nombreux. Donc, ne vous attendez pas à ce que ce soit les Français là, comme c'est le cas dont je viens de parler là, qui viennent nous libérer. La relation avec la France doit être complètement détruite. Notre relation actuelle avec la France, faite d'asservissement, faite de contrats lyonniens, faite d'esclavage économique, doit être non pas négociée, mais détruite. Pour que nous soyons libres, pour que nous puissions aspirer à l'émergence, on doit détruire notre relation avec la France. Je le dis aujourd'hui pour la première fois, qu'ils ne nous prennent pas dans les petits pièges là. Mbembe va venir parler avec Macron, les petites distractions. On n'est plus dans les négociations, dans le bavardage. On n'est plus dans le bavardage. Que la France comprenne cela. Quand je dis France, c'est le gouvernement français, le régime français. Tous les régimes français comprennent qu'on n'est plus au niveau du bavardage. Tant qu'on est tenu par le franc CFA, tant qu'on est tenu par les accords, tout type d'accords, tant qu'on est tenu par la dette, tant qu'on est tenu par tout cela, on n'a pas et on n'aura pas de relation harmonieuse avec la France. Il faut qu'ils comprennent ça très bien, clairement. On n'aspire pas à négocier notre liberté. On va l'arracher. On va détruire les rapports qui existent entre la France et l'Afrique. On va les détruire justement parce qu'on va refaire sur de nouvelles fondations. Parce que, historiquement, on ne peut pas dire qu'on va vivre de manière autarcique. Mais on va diversifier nos relations. Et jusqu'à ce moment, au temps où les Français comprendront que nous sommes aussi des hommes. Quand il dit ça, c'est une façon de parler. Que nous sommes d'abord des hommes avant d'être des Noirs. Avant d'être des Africains, comme ils aiment le dire. Que nous sommes d'abord des hommes et des femmes dignes. Qu'on sait jouir. Qu'on sait fabriquer n'importe quoi. Qu'on sait aussi apprécier ce qui est bon. Qu'on aspire à être libre. Qu'on a le goût de la liberté dans la bouche. Il faut qu'on comprenne cela bien. Qu'ils comprennent bien qu'on sait ce que c'est que vivre. Ce que c'est que la vie. Ce que c'est que les valeurs. Ce que c'est que patrie. Ce que c'est que égalité, fraternité. Tous les bons mots et liberté. Que ces libertés-là aussi, on a ces mots dans notre cerveau, dans notre cœur, dans notre âme. Il est important que la France comprenne cela. On ne peut pas passer tout le temps à bavarder. On fait des conférences France-Afrique. On a le néocolonialisme toujours en,
en filigrane. On a tué la manipulation de nos leaders. On ne peut pas fonctionner comme ça et aspirer à avoir des relations harmonieuses avec la France. Je comprends. Il n'y a plus d'intellectuel digne de ce nom en France. Quand je le dis, peut-être c'est prétentieux. Mais des gens qui ont eu le courage d'influer, de faire infléchir la tendance coloniale comme dans le temps. Les gens qui peuvent se lever et dire que la colonisation doit s'arrêter, que le néocolonialisme doit s'arrêter. Nous avons vu Henri Béni Lévy. Les gens, Bernard Lévy. On a vu ces gens-là qui ont supposé des intellectuels, mais qui ont contribué à détruire l'Afrique, à faire tomber Kadhafi, à faire tomber tous ces gens qui aspiraient à quelque chose de meilleur dans les années 2000. On ne peut pas continuer à prétendre que on a la relation d'amitié avec la France. Cette rhétorique-là, on doit la détruire de notre bouche. Il faut que les Français comprennent que on a compris. Il faut que le peuple français comprenne qu'on en a marre et qu'il est question que les produits de nos souffrances, de nos larmes, de nos plaies, de notre sang, ne doivent pas continuer à nourrir ad vitam aeternam, c'est-à-dire à vie, la belle France. Oui, on va poser de nouvelles bases. Mais l'édifice néocolonial, l'édifice d'ensauvagement, de pillage de nos ressources doit être détruit. Cet édifice doit être détruit et une nouvelle relation doit naître. Une nouvelle relation multilatérale avec d'autres acteurs doit naître. Ce travail, ils doivent prendre conscience de cela maintenant pour qu'ils ne soient pas surpris après. Lorsque j'en parle, c'est avec émotion. Parce que justement, ce n'est pas question de l'émotion qui est nègre, non. C'est la rationalité qui m'a conditionné à comprendre maintenant que l'affaire de raisonner, de bavarder, ce temps-là est révolu. C'est le temps de l'action. Où on doit d'abord leur expliquer que on ne peut plus supporter leur coup, leur genou sur notre cou. Le genou de la France sur le cou de l'Afrique doit être enlevé de force. Voilà ce que j'avais à dire. Et ce n'est que l'introduction de ce dossier-là. On va l'approfondir. Je voulais vous dire, pour terminer, que cette libération ne se fera pas seulement par la force brute, c'est dans la pensée. Et pour arriver à ce niveau-là, nous devons tous nous instruire. Dans quelques jours, le livre La Révolution de la pensée africaine, essai de philosophie politique, sera disponible. Beaucoup parmi vous ont déjà réservé. À cela, je vous annonce que mercredi ou jeudi, en fonction des premières disponibilités du livre, je vais faire une sorte de pré-séance de dédicace. Vous serez conviés la veille. Donc, j'informe donc tous qui ont envoyé leur argent que vous serez informés. Si vous êtes à Yaoundé, vous serez informés la veille. Ce sera mercredi ou jeudi. Vous serez informés et on va se retrouver à une cérémonie qui sera retransmise ici. Vous allez venir donc assister à la sortie privée du livre. Je ne sais pas comment on va faire. À la présentation privée du livre. Donc, vous serez des privilégiés parce que les autres vont attendre le premier. Mais vous, vous allez avoir le livre en exclusivité, mercredi où je... Donc, j'invite tout le monde à envoyer son argent à ce numéro. Vous savez, si j'avais eu une disparité d'argent, il faut se faire confiance. S'il y avait eu un problème d'argent depuis que les gens envoyaient leur argent, là, il y aurait déjà des jérémiades. Non. Envoyez votre argent, 10 000 pour la version classique du livre, la version classique simple, quoi. C'est comme le livre ordinaire. 15 000 pour la version VIP, la version bibliothèque comme celle-ci. C'est le livre La Révolution de la pensée africaine. Je voulais juste montrer que ça se présente un peu dur, la version VIP. Et l'écriture est un peu différente à l'intérieur parce qu'on y met un peu plus d'encre pour que ce soit bien lisible. Donc, vous envoyez 15 000 versions VIP du livre La Révolution de la pensée africaine
un ouvrage de 400 pages, on a vraiment baissé aussi les prix. Ou bien vous envoyez 10 000 si vous êtes à Yaoundé, ou bien 12 000 hors de Yaoundé. On va s'occuper de vous envoyer ça mercredi ou jeudi. Parce que là, ça, vous serez privilégié pour avoir l'ouvrage. Donc, vous réservez donc à ce numéro 690 49 93 65. Partout où vous êtes, vous réservez. Partout où vous êtes ici à Yaoundé, vous réservez. Pour ceux de la diaspora, si vous voulez être privilégié, bien évidemment, il faut faire la solidarité africaine. Si vous avez des frères qui sont ici et qui peuvent voyager, je ne sais pas comment, on va faire d'abord comme ça. Après, on va mettre le livre, avant le premier, on va mettre ça sur Doula, www.doula.com. Le livre sera disponible en ligne dans, avant le 1er septembre. Mais si vous voulez avoir l'ouvrage, le livre avant le premier, bien évidemment, faites un dépôt. Et vous faites aussi comme certains, hein, certains m'envoient 55 000, ils ont l'ouvrage, ils ont le livre 2 jours après, hein, 3 jours après, partout ils sont dans le monde. Donc c'est un peu plus cher, c'est surtout 55 000 pour l'Europe, un peu plus pour les États-Unis. Donc faites-moi parvenir votre agent, c'est un Kefri Dolan, 690 49 93 65, 691 08 89. Dans tous les cas, sachez que ce livre-là s'adresse aux gens de la première en terminale et tout l'université et les personnes adultes. Parce que dans cet ouvrage-là, je vais vous expliquer dimanche prochain dans le grand direct en quoi commence ce livre-là. Ce livre-là, à partir de ce livre-là, on détruit tous les édifices philosophiques qui officiels, notamment la philosophie de John Muller, toute sa rhétorique, tout ce mensonge-là qui est contenu. Je ne vais pas en parler plus, mais sachez que cet ouvrage-là, il est majeur et Hubert Mounoundiana, professeur Hubert Mounoundiana, qui a fait la préface, a vraiment beaucoup aimé et beaucoup de collègues qui ont lu. On va vous donner des détails plus tard. Donc, vraiment, je vous prie de comprendre que ayez confiance en vous, ayez confiance en chaque Africain. Si vous voyez quelqu'un qui te ressemble à peu près, ça, ayez confiance en lui. Laissez les histoires que Bamileke, machin, nordiste, machin, non. On doit construire et c'est dans la solidarité qu'on construit. Donc, j'attends vos commandes. Le livre est en train d'être imprimé. Les premières sorties, donc, c'est mercredi ou jeudi. Vous serez invité. Le reste, vous attendre. Vous serez privilégié. Donc, envoyez donc rapidement votre agent. Et je vous remercie. Et même, je vous dis bonne soirée et bon début de semaine. Bonsoir.